C'est-à-dire qu'il faut intervenir au bon moment. Ra'inu et divrei Hazal, ben Hamesh, la Mikra, ben Esser, la Mishnah, ben Hamesh, Esre, la Gemara. Lama, l'homme Mukdam Yoter, pourquoi pas plus avant? Oui, on aime toujours que les enfants ils soient précoces, qu'ils apprennent plus tôt et plus vite, et qu'ils sautent des classes, etc. Pourquoi pas faire de la Gemara à 7 ans, 8 ans? Pourquoi 10 ans? Lama lo ben shalosh la mikra. Okay. 3 ans les psukim. Kan kav'o hazal sheha'at sheha'tzmicha shela yeled na'aset be'adraga. Faut savoir que l'enfant évolue par niveau, étape par étape. Comme l'enfant, pareil le grand, comme ça le Gaon Mivilna écrit même pour nous dans la Avodat Hashem, il y a des étapes, faut pas les brûler. Magi'at kufa mesuyemet sheba hayeled kvar bashel lelimud mikra ve'az melamdim oto mikra yachad im ze hayeled gadel ala. Il apprend le mikra, c'est-à-dire les psukim, avec ça il continue à avancer, à grandir. Shehayeled magi'a legil 10 atzmicha shelo magi'a lekach shehu kvar yachol lelimud mishna. Après 5 ans il devient plus mûr et il peut maintenant apprendre la Gemara. Il y a des périodes chez l'enfant, la tkufot ba'ot al pi atzmiha organit shel hayeled lefi derech hagidul hativ'it shelo. D'accord? On a parlé de ça déjà, on a un peu devancé ce qu'il y a écrit ici. Bemeshech shnot hayeldut over hayeled mehatkufa letkufa et hatkufot tzrichim le'akir ve'litayaches elehen bizman hanachon. Notre travail à nous, c'est de reconnaître les périodes, de s'adapter, de prendre en considération que l'enfant n'est pas capable d'absorber, de supporter des comportements, des informations qui ne sont pas selon ce que son âge, etc. Mais divrei Hazal anu elu anu roim et humrat achinuch ve et humrat akpada hanidrashet be'itu yanachon shel shalvei achinuch. De là, on apprend le itu yanachon, le bon moment. Savoir comment parler, de quoi parler, à quel moment parler. Et sur ça, il développe. Katov barashat aikev. Velimadetem otam et benechem le daber bam. Pasuk, a priori pashut, vous enseignerez à vos enfants les daber bam. Mazé bam, le divrei Torah. Chazal dit Katan ayodea le daber. Dès que l'enfant sait parler, aviv melamdo Torah ve kriat shema. Torah mayi, ça veut dire quoi? Dès que l'enfant sait parler, son père il lui enseigne la Torah. Non. C'est quoi dès que l'enfant sait parler? Amen. Non, à quel âge? 4 ans. 4 ans, il sait parler l'enfant. Il sait parler à un an et demi, il commence à parler, il commence à dire des phrases. Amar Rav Amnona, Torah tziva lanu Moshe. Et dans le sifrei Katuv, Mikan amru kesh'atinok matchil ledaber, aviv medaber immo belashon hakodesh. D'abord, il faut commencer à parler belashon hakodesh. Et on parle de quelqu'un, peut-être qui ne sait pas parler d'autres langues. S'il ne sait pas parler d'autres langues, je n'ai pas besoin de te dire ça. S'il ne sait parler que la Shana Kodesh, je n'ai pas besoin de dire qu'il lui parle. Même s'il veut, il ne peut pas. Et la vaddaï, ça veut dire, et la vaddaï, qu'on parle d'un cas où il parle d'autres langues. Comme nous, les Français. On parle d'autres langues. Ils ont l'anglais aussi encore. Trois langues. Il y a des maisons, quatre langues, cinq langues. Alors Chazal nous dit, on commence à lui enseigner d'abord la Shana Kodesh. Ou Melamdo Torah. Après, c'est compliqué d'apprendre le. Non, je ne sais pas comment ça. Chez nous, à cause de ça, tous les enfants ne parlent pas français. Ils comprennent, alors, ils ne parlent pas français, comme dans les maisons où on parle français. Ou Melamdo Torah, et il lui enseigne la Torah. Ve'im en medaber imo be la Shana Kodesh, ve'im Melamdo Torah, ra'ouilo kiilo kobro, ba'amina, ils sont très durs, Chazal. Ben, c'est pas dur. C'est nous qui sommes trop mous. Hazal, ils disent, s'il ne lui enseigne pas, il ne lui parle pas, mais la Shana Kodesh, il ne lui parle pas en hébreu, ce n'est pas hébreu, c'est la Shana Kodesh, ve eno melamdo Torah,
c'est comme si qu'il l'enterre. Sec. Je n'ai marre. Ah, il peut y avoir les deux. Quoi? C'est-à-dire, il peut lui parler en hébreu et lui parler en autre langue. Pas que l'hébreu, des deux. Il a écrit, mais d'abord. Il lui parle en la journée de Kodesh. Il a écrit, mais la journée de Kodesh. Mais pas que en. Ah, bah, il a écrit, mais la journée de Kodesh. אז מה זה? אז בלשון הקודש, בלשון הקודש, זה פשוטו. לבה יקריא גם בלשון הקודש. כן, בלשון הקודש. שני אמא, תפר כי לבחן פל פרנסה. תפר וזיר, וואי, פחוי, אני מפציז אופן, אני פל פל פרנסה. יאללה, נוסי שסיפורת את פרז, פעמל דודי. את טובה ביה, טובה אני קונטר. אה, לפעמים פל פרנסה. יש פה כמו יפון, ויסון טריפון לזופן. יסון טריפון. פתאום. Tu sais, des années. Je n'aurais jamais parlé français. Tu vois, voilà. des années, il se taise. Il parle. Tout d'un coup, tu vois, il commence à parler tout en français. C'est pile et plaim, un enfant. Pile et plaim. Jamais tu ne parles pas français. À la maison, on ne parle pas français, à peine. Puis, Tom, tu vois, il comprend tout. Et il parle, il te répond et tout. Après 10 ans, pile et plaim, les enfants. Jamais parlé français à la maison. Alors d'où ils ont... Des grands-parents. Des grands-parents. Mais qui ne voyaient jamais. C'est 8 kilomètres. C'est fou. L'esprit d'un enfant, c'est... Combien on est responsable de ce qu'on leur met dans la tête. Ils captent tout. Ils font attention à tout. Ils enregistrent bien. On n'est pas conscient. Shenema, venimadetem otam et benechem nedaber bam. Im limadetem otam et benechem. אז למען ירבו ימיכם, ולמדתם אותם לבניכם, למען ירבו ימיכם. ואם אבניכם, ואם לא, למען בר מידה. כלומר, חז"ל מתבטאים בחריפות רבה, אבל לא רבי לדקה. חז"ל פרל במניח תחי תחי פרם, תחי דיר, וקובעים שאם לא תופסים בדיוק את הרגע שהילד מתחיל לדבר, ובו ברגע מתחילים לדבר איתו מלשון הקודש, תורה ציווה לנו משה, הרי זה כאילו קוברו, עושים לנו אטרפה לומומו, פרופיס, פרסי, ולאנפון, כמו ספרלי, אלא בא, הוא ניפרל פעם בלשון הקודש, הוא מלשון פעם לתורה, אז הוא אמר לה בדיוק, כאילו קוברו, אמינה. מדוע כל כך גדולה חומרת הרגע? פורקו זה יותר מומר. פורקו פרלי דומניר עושי... דיר. התחלת הדיבור זהו העיתוי הנכון לזריעת האמונה. לוסקו לאנפון כמו ספר לי, זה למומו ונסם לאמונה. זה עשמו מולה. אקזקטמון כמדון לקולטיבציון נשאר, ולבא, סי אונפס לסזון לסמנס, אלור זה פיני, תוכל לתאם לנהל פרושן. נכון? סי זה פאו בו מומו, זה פיני. וכשמתחילים לדבר איתו מלשון הקודש, זוהי הזריעה בעצמה. זה לה הוא פלוט. הוא פעם לשון הקודש. לא פעם טונד ל... שימו ל... כן. הרב פינקוסי להקור שם. להקור שם ל... פעם לשנסון כמו שונת אוז אנפן. הנצחי זה להקובע שלי, שלום שפינר, וזה תוקי שנסון, יונתן, הקטן. Ouais, il faut l'écouter ce cours. Moi je le dis, ça passe pas pareil. Il faut l'écouter ce cours. Pourquoi? Il dit pourquoi? Pourquoi mettre ça dans la tête des enfants? Pourquoi faire? Il faut écouter ce cours. Donc après, il y a les grands-parents qui viennent, qui prennent l'enfant, qui lui dit Yonatan, il faut se mêler. Voilà. Bon, après, c'est une autre affaire, oui. Ah ben, on parle maintenant de l'idée. L'enfant, il est en train de se construire. Son cerveau, il est tout mou. Maintenant, tu commences à rentrer dedans. Tu plantes. Pourquoi lui planter Yonatan Akatan? Pourquoi lui planter la Kovacheli, Shalosh Pinov? Pourquoi lui planter des bêtises? Pourquoi? Mishnah, oui. Hein? Des chansons. Ma fille, je ne sais pas quelle gagne ils ont ici, mais j'ai pas eu un enfant qui revient avec des notions pareilles. Quel kdoucha, quel midot, toutes les chansons qu'ils chantent, c'est plein de moussa. Je suis émerveillé, j'ai jamais entendu ces chansons. J'ai demandé autour de moi, j'ai dit, ils sont ces chansons-là dans les gannes. Oh, j'ai pas entendu le grand, le deux, les... j'ai perdu. Non, c'est comme ça, ce gars, Givat Zev, peu importe.
Ils ont là-bas, ils gagnent les nets. Quelle notion, 3 ans, rien avec des notions de Arva, Vereout. Et ils ont transformé toutes les chansons qu'ils disent les Israéliens quand on était petit. Il y a Sholem, Sholem, Noolam, Broguez, Broguez, Afpar, je ne sais pas si vous connaissez ça. Des choses simples. Ils les ont transformées avec des notions magnifiques. Enfin, il a 3 ans. Oh, c'est une petite fille, c'est pas un garçon, c'est une fille. Gam, Khashou. 3 ans, il vient avec des notions comme ça, de Gdusha, Bet Amigdash, du Mashiach, de ci, de ça. J'ai une flamme, ça reste. L'autre, il grandit, n'importe quoi. Ça reste, n'importe quoi, ça reste aussi. Les gens disent, non, oh, il est petit. Justement, il est petit, Chazal, ils te disent, c'est parce qu'il est petit qu'il faut. Sinon, Kovro, enfin, ou que chez Matrinim, les domaines tombent à la chaîne à Kodesh, Zo Yazria Vatma, Im Azria Nasit Kshakaraka Mukhana. Si on plante, lorsque la terre est fertile, la terre est prête à recevoir la semence, Azria Matsniha, ou Matsniha Tsmiha, ça commence à Matrina Tsmiha, ça commence à pousser. Vim Mahrim et Amoued, Akaraka Nana Mukhana, tu peux planter. Advarim, Domim, Meod, les machins, Nachnou, Mikirim, Barana, Matsomer, Ismani, Meduakim, Israël, Haklaï. Comme on a dit, on se prend devant ça. Il y a des moments précis dans la cultivation, l'agriculture, ouais, c'est ce que je cherchais. Mais Trilat, Ahorev, Zorim, Imahrim, Adlevo, Ageshamim, Varif, Yerizwa, au début de l'hiver, si ça commence la saison des pluies, c'est fini. On ne peut plus planter. Il faut commencer juste avant. Vimahrim, Adlevo, Ageshamim, Ifjanzor. Im Zorim, Beho, Azera, Nirgav, la Zera pourrie dans la terre et rien ne pousse. Gagne Makdimi Termidal Matsarim. Si c'est trop tôt aussi, ça ne marche pas. Kiakakadain le Mouchana li Kabel. Moucharim mitfa, c'est un régal anachon. Ils connaissent les agriculteurs, ils savent, ils voient la terre, ils savent. Là, c'est le moment. Cette semaine-là, c'est le moment de semer. Kitinok matri le daber d'Israël. Aviv, mais daber ibom et la chambre de code, je me le botte. C'est pas. Maintenant, on n'est pas en train de dire. Un chiot, ça veut dire que ce qui est écrit ici, c'est ce qu'il faut faire quand le bébé commence à parler. Oui, mais c'est pas ça le point qu'on veut retenir ici. On veut retenir ici le inyan du zman. Il y a un zman pour chaque chose. Il y a un zman pour chaque chose. Seulement, de ce point-là, on voit combien le zman pour chaque chose il est important. Advarim alalo emi yesod shenekudat atchala rega zri'a atchala tachinuch lishlavav ashonim rashi parashat lechnecha kotev legadav avinu ala pasuk. ויירק את חניכת חינוך ולשון התחלה כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה וכן חנוך לנער חנוכת המזבח חנוכת הבית זה כוח חינוך זה כוח למור חינוך זה כוח חנוכת ידי התחלה דבי חינוך זה דבי עניינו של החינוך לפי רשי הוא הכניסה הנכונה בנקודת ההתחלה. C'est le bon commencement. Un bachour, il vient dans une yeshiva, il y a un chinuch, il y a un début. Comment doit se faire son commencement. Chariyalet, Magiyan, Matsam, Mesuri. Pareil, dans chaque étape. L'enfant, il arrive à 10 ans, c'est le début, c'est le chinuch de la Mishnah. L'enfant, il arrive à 15 ans, c'est le chinuch de la Gemara. Les écoles aujourd'hui, ils font ça, ils suivent l'âge de... Non, non, non. Aujourd'hui, ça a changé. Comment ça se fait ? Il commence plus tôt là que moi aujourd'hui. Beaucoup plus tôt. À 10 ans, ils ont avancé, ces enfants. Ils ont avancé, ils ont. Non, mais ils posent des questions à 10 ans qu'on ne posait pas à 16 ans. Khinour. Khinour. On avait un autre Khinour à 16 ans. Ah, d'accord. À l'époque, nous, on avait un autre Khinour. On parlait à nos parents comme ils nous parlent ? Non. Ah, c'est clair, enfin. On est d'accord. Et tu vois que tout a changé. Sans en rien. Si j'avais dit ça à mon père, si j'avais dit ça à ma mère. Exactement. Top. On termine. Im lo limdu et adavar anachon mizvan anachon areu ki imu kovro ve imu lo tafas et arega shi etkalet azera lo itzmahat zemahamat im. Alors la plante qui est censée pousser ne poussera pas, il poussera autre chose. Lo yitzmach mizera kaze adam hay be'emuna u'betorah lachen ki'ilu kovro.
Après, il y a les exemples, mais on va terminer jusqu'aux exemples et pour la prochaine fois, on verra. Batora kula ish mashmaud meyuchedet l'nekodat atchala, imzo atchalat ha'shana. Dans toute la Torah, pas que dans le chinuch, il y a des zmanim, début de l'année, Rosh Hashanah. Trilat ha'shavua, trilat ha'chodesh, Rosh Chodesh. Le chol inyan atchala ish batora mashmaud rabba. Le chazonish, il disait, tous les Rosh Chodesh, il étudie beaucoup plus que tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année aussi, il étudie beaucoup, beaucoup. Avant encore plus le Rosh Chodesh, qu'il disait inyan shel atchala. Comme on a Rosh Hashanah, on a Rosh Chodesh, l'ashpa'a du début, elle est pour toute la suite. Atrala, Zutkufa, Sheba, Efshan, Ishtol, Mashu, comme on connaît tous, de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est là où on fixe la parnassa de toute l'année, on fixe la vie de toute l'année, on fixe tout ce qu'il y aura toute l'année. C'est Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. Kshatkufa, Azou, Enveret, Lelo, Ashtila, et Azria, Batmima, Naasa, Mohamedai. Mais Kanole, Drisha, Broura, Klepaorim, de la sort, une exigence claire pour les parents. Alehem, להכיר פחות או יותר את התקופות שהילד עובר במהלך הגידול שלו. Les parents doivent connaître les différentes étapes que passe l'enfant dans sa croissance. Il y a des étapes. Elles sont notées, elles sont connues. Elles sont, tu vois, ici dit, Alehem, להכיר, à eux de connaître. À eux de connaître. Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le cœur des parents la possibilité d'éduquer. Les meilleurs éducateurs au monde, c'est les parents. Ou les meilleurs destructeurs. Ça dépend. Après, ça dépend des parents, s'ils choisissent de bien faire le travail ou non. Mais ça veut dire que nous, en tant que parents, on a les meilleurs kélim au monde pour éduquer nos enfants. C'est pour ça que le Kazoukounou nous a donné à nous, il ne nous a pas donné à l'éducateur, au conseiller, ou je ne sais pas qui. Oui, sinon, il serait né chez lui. S'ils ne sont pas nés chez lui, ils sont nés chez moi. Ça veut dire que c'est moi qui ai les meilleurs kélim pour l'éduquer. Comme ça ils disent, les grands mechantrim ils disent comme ça, c'est eux qui disent, c'est pas de moi. Le'at'im et adrishot li'echoldo shelayelet bechol tufa. Donc il faut adapter les exigences qu'on a selon les capacités de l'enfant à chaque période. Ça c'est la règle qui sort de ça. Après il y aura des exemples. Im afrizim et adrishot shelayelet bechol amod ba'em. Si on abuse dans les exigences qu'on a envers l'enfant quand l'enfant il n'est pas capable de les tenir, trop. Ou au niveau des études, on le met trop. À l'école, on le met trop. Trop de romère. Ou à la maison, on exige de lui trop de choses. Kshayeled adain enom aspik mevugar kedel avin marotsimi. Maintenant, il n'est pas assez mûr pour comprendre ce qu'on veut de lui. Et on va le prendre comme on dit, déjà, tu sais, dans l'avenir, la vie, c'est pas facile. C'est pas... Il a 5 ans. Yotze mize kilkul gadol behinuch. Zri'a kazu lo yochola likalet. On sème quelque chose qui ne pourra jamais être accepté par la terre. Ayeled lo yochol itpateach al yedei davar shulam mevin. Un enfant ne peut pas s'épanouir par une chose qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu lui parles une autre langue. Ayeled tzarich nitkadem bishlavim. Il doit avancer par étapes. Ici, dit le Rav, on n'est pas en train de définir les différentes étapes. Oui, on attend tout ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que je fais? On est tous des paresseux. Non, Moi, par exemple, mais non. Moi. Mais c'est pas une question de paresse. Dis-moi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas une question de paresse. Si, un petit on peu. On est en train de jouer avec du... Il y a un petit peu, pourquoi c'est une question de paresse? Moi je dis ça. Mais on aime un mauvais tournant. C'est... Moi, j'ai pas dit. Je sais, je suis très paresseux, je sais pourquoi. Moi, dis-moi quoi faire. Comme avec le Shlom Bayit. La femme a dit. Dis-moi, ce que tu veux, je fais. Dis-moi, pourquoi tu me dis pas? Non, tu dois comprendre. Non, moi je suis pas, moi je suis un hamor. Moi si tu me dis, je sais. Si tu me dis pas, je sais pas. Ken? Tu sais ce que c'est ces paroles-là? C'est des paroles de paresseux. Pourquoi? J'ai pas envie de me casser la tête à te comprendre. J'ai pas envie, j'ai pas la force. Je crois que j'ai que ça à penser maintenant. Arrête, comprendre ce que t'as dans ta tête. Je dois comprendre toute la terre, toi aussi. Tu dois comprendre elle, pas toute la terre. Seulement, Annie, moi je suis paresseux. Moi, tu me dis ce qu'il faut faire comme un robot. Oui. Pam. Pas de problème. Je sors toutes tes forces. Je suis là, tout l'argent, toutes les forces. Hein, dis-moi. Yaratzlan. Je parle de moi. Tu veux pas faire travailler tes ménages un peu?
Ah, dans tout ça, tu sais, dans Marja, tu sais, là-bas, tu sais, là-bas, tu sais bien, là-bas, comment on réfléchit la robe. Et là-bas, non. Fais du Ayoun, là-bas aussi. Si elle m'a dit ça. Je comprends. C'est quoi la Vamina? Comme ça, ma mâche comme ça, profond, on étudie. C'est quoi la Vamina? La Vamina, c'est ça, mais d'après la Maskana, parce qu'il y avait là, tu sais, ah bah, il y a une Kouchia du fiançaille de l'autre, là-bas, il y avait un truc, c'était sauter, ce qu'on a vu ici, là. C'est mon pas envie. Allez, viens. Oui, pourquoi tu veux pas dire? Bah, dis-moi, fallait me dire. Ah, putain, tu veux pas réfléchir. Et après, il va voir le conseiller, il va voir son raf, il va dire, ouais, mais qu'elle me dise. Moi, j'ai besoin qu'elle me dise. Et même les autres peuvent tomber dans le panneau. Oui, bah, dis-lui, pourquoi tu lui dis pas? Non, je veux qu'il me comprenne. Nahon, parce que c'est le travail de l'homme, de comprendre sa femme. Nahon, il n'y a pas à vous sauver. C'est notre travail. Là aussi, c'est pareil. Ici, le rabbi nous dit, je ne vais pas vous dire c'est quoi les étapes. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le rabbi, aux parents de comprendre. Et on voit les réactions des enfants. On voit si ça marche. On teste. On fait ci, on fait ça. Il faut s'investir. Un malin, azote. Non, nous, on veut travailler facile. Moi, tu me dis 1, 2, 3, 4, 5. Non, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5. T'es un grand garçon. Toi, ta femme, vous êtes grand, vous êtes éduqué. Regardez, vous avez les règles, travaillez. Regardez l'enfant comment il réagit là. Regardez, parfois on fait des erreurs. Alors il faut noter. Il faut noter là, c'était une erreur. Il ne fallait pas comme ça. Là c'est un peu trop. Là c'est pas assez. On voit comment il réagit. On voit si ça marche. On voit s'il évolue. Une fois on donne des bonbons. Une fois on donne des. Autre chose. Okay. Et on voit comment ça marche. On voit comment il évolue. S'il est sa mère, s'il est épanoui et il avance bien, c'est qu'on est dans le bon chemin. Sinon, c'est qu'on est dans le mauvais chemin. Alors, il faut adapter. Zeinyan, les sihah. Kane nasera klirot et aikronot shel hachinuch al pi haTorah. Là, ici, il dit le Rav, on essaie de voir les ikronot, les principes. Comment ça marche. Après, Bezat Hashem, il donne quelques exemples. Ah, c'est hors.